écoutez Koé, c'est bien. C'est bien. Le voir, c'est mieux. Bah, en fait, tu vois, je t'appelle parce que je t'avoue un truc, en fait. Quoi? Bah, t'as vu, toi, en ce moment, nous deux, c'est pas trop ça, tu vois. Il y a beaucoup de galères, tu vois. Et en fait, j'ai cherché du réconfort ailleurs, en fait. J'ai recouché avec Julie, j'avais besoin de m'aérer l'esprit, quoi. Quoi? Bah, ouais, j'ai recouché avec Julie, tu vois, j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Tu fous ma gueule? Bah non, fallait que je te l'avoue, je pouvais pas te le dire en face parce que bah voilà, j'ai ta réaction et je te le dis par téléphone, tu vois, parce que... Non, tu peux pas me l'avouer en face parce que t'es à l'âge. Non, c'est pas que je suis à l'âge, c'est... voilà, tu vois, après voilà, faut que tu saches que... En fait, non mais ça reste calme, tu vois, entre le bébé et toi, tu vois, qui a gardé tes kilos, tu vois, c'est l'enfer à la maison. Mes kilos, t'as déjà vu une meuf qui accouche et qui fait 50 kilos, mes kilos? Tu veux qu'on en parle de kilos, nous deux? Tu t'es vu? Bah quoi, bah non mais, bah je sais pas... Attends, l'enfer à la maison, tu rentres, ta bouffe elle est prête, ton bain il est coulé, tu regardes ton foot quand tu veux, tu me fais chier avec ça, je te dis jamais rien, tu me parles d'enfer. Ah ouais, bah je suppose. Ma gueule, c'est une blague, dis-moi que c'est une blague. Écoute-moi, c'est la galère, tu vois, j'ai 21 ans, t'as 19 ans, on a déjà un bébé, tu vois, j'ai pris des responsabilités. Qui l'a voulu le bébé? Écoute-moi, j'ai pris des responsabilités. Tu regrettes ta fille? T'es sérieux? Mais je regrette pas. En fait. Mais comment tu peux regretter ton enfant? Mais écoute-moi, tu vois, le problème, c'est que voilà, comme je te dis, je suis jeune, voilà, je peux rien faire de ma vie, on dirait que je suis en prison avec toi, tu vois, je peux même pas voir mes potes, et voilà, pour moi, c'est l'enfer, tu vois. C'est quoi tes potes? Tes potes qui finissent toujours bourrés, qui tapent entre eux, c'est ça des potes? Écoute-moi, est-ce que je peux juste te demander une chose, tu vois? Écoute-moi, ça serait bien, tu vois, qu'on fasse un break, tu vois, régulièrement, parce qu'il faut que j'aille me taper des meufs, quoi, tu vois. T'es vraiment un gros enculé, tu tapes, tu fous ma gueule. Mais j'en ai besoin. Mais là, le break, il est définitif. Mais tu crois vraiment que je vais te pardonner que tu as été baisé ailleurs? Mais ouais, mais tu vois, Non. Tu me laisses parler. Mais quand on fait l'amour, je vais te pardonner que tu as été baisé ailleurs. Ferme ta gueule, et qu'on va faire des bref. Mais je m'en vais avec ce que tu me dis. Ferme ta gueule. Mais tu te fous de ma gueule. Je suis en train de te parler. Tu fermes ta gueule, c'est tout. Je suis en train de te parler, c'est comme ça. Putain, c'est une blague. Mais quand on fait l'amour tous les deux, je suis obligé de penser à Julie, ouais. C'est une blague ou quoi? Tu fous de ma gueule? Mais j'arrive plus, je te regarde, je suis plus attiré. Et voilà, Julie, tu vois, elle a pas de réjouture au niveau de ses fleurs, bah voilà, tu vois, je suis attiré par Julie, c'est tout. T'es plus voilà, attiré, putain, quand je suis sur toi, là, ça te plaît? Mais je sais pas, tu es en train de dire t'es parfaite, mais toi, putain, tu pourrais pas mieux ailleurs. Mais ferme ta gueule, mais je t'aime plus, tu vois, t'es... Voilà, je sais pas, t'es devenu une putain, tu vois, je t'aime plus, c'est tout, voilà, ferme ta gueule maintenant. Putain, c'est qui la putain qui vient tromper sa meuf quand il y a un bébé derrière? Mais attends, tu fous rien de ta vie, bouge-toi le cul, ça te fera pas de mal, quoi. Attends, ferme ta gueule, je te parle, tu fous rien de ta vie, ouais, bouge-toi le cul, ça te fera pas de mal, sérieux. Je fais rien de ma vie. Attends, mec, pendant trois mois, t'as été chômeur, pendant 3 mois, Mais ferme ta gueule, mais je comprends pas les couilles de ce que tu vas me dire. Je m'en bats les couilles de ce que tu vas me dire. Mais ouais, c'est bien. Et maintenant, c'est moi qui t'entretiens. Genre, ferme ta gueule, c'est tout. Bébé. Putain, c'est une blague. Que tu m'entretiennes, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, attends, bébé. Ferme ta gueule, mais ferme ta gueule. Bébé, tu viens? Mais le petit. Ouais, c'est qui, hein? C'est quoi? Qui? Non, c'est parce que c'est tu vois, tu viens, chérie? Mais je suis au taf, là. T'es au taf, c'est qui? C'est qui t'appelle, chérie? Au taf, t'es au taf? Mais non, c'est pas pour. Oh putain, attends 2 minutes, attends. Tu viens, j'invite toi. C'est qui? Non, mais je te jure, la tête, voilà. La tête de la là, fille, c'est qui? Je vais te défoncer, je te jure, je vais te claquer. T'es mort, je te jure, t'es mort. Rentre pas. Putain, rentre pas parce que je te jure. Vas-y. Tout ce qui me tombe sur la main, je vais te claquer en pleine gueule. Allez, ma crasse, là, chérie. C'est qui? C'est Julie, voilà. Tu te fous ma gueule. T'es au téléphone? Ouais, attends. Ma gueule. Non, bah non, c'est dit, voilà. Ferme ta gueule, qu'est-ce que tu veux? Mais ferme ta gueule, qu'est-ce que tu veux? Mais le problème, c'est que je t'attends. Je suis chez Julie, là, je vais bien la baiser, tu vois. Déjà, oh, ferme ta gueule, je te parle, là, Vas-y, lâche-la, va faire ta vie ailleurs, maintenant, tu fermes ta gueule. Mais là, je suis chez Julie, tu vois, je vais bien la baiser, tu vois. Mais baise-la, tu veux, espèce de pédale. T'es le premier à dire, ouais, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si j'ai envie de te tromper, je te quitterai avant, mais espèce de capette. T'es même pas capable d'assumer les choses en face parce que tu t'es parlé avec ton téléphone. Ta gueule, espèce de salope, c'est les paroles de mec, ça. Non, c'est trop dur, là. Moi, je peux pas. Mais ouais, mais désolé. Non, mais il est violent. C'est un jeu, on rigole. C'est censé être une vanne. Ouais. Et tu te lâches un peu trop, Jordi, là. Putain.
putain. Jordi, on dit pas ça à sa meuf. Ouais, même si c'est pour faire une vanne, il y a des limites, tu sais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut y aller doucement quand même. Ça s'arrête pas. Non, mais tu vois, il faut faire des blagues, mais il faut pas. La pauvre. Pas trop délire, là. Ah oui, parce qu'on est plusieurs. On est plusieurs. On est cinq. Ouais. Oula. C'est une partouze en fait. Il lâche pas aujourd'hui. Il y a John. Ouais. Salut. Fitz. Bonsoir. Gérald. Ouais. Ken. Hello. Et Eddie. Hello. John, Fitzgerald, Ken et Eddie. Tu devrais faire un bâton, j'en veux. Ça la fait pas rire. Je compte plus. Je sais même plus combien de temps. La pauvre. Ça lui fait plein la gueule. Marion. Ouais. Oui, faire ta gueule, putain, vaut. Marion, moi je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Je suis désolé de tout ce qu'il a dit. Il est allé un petit peu plus loin, ouais, mais dans la blague, fort, on ne sait pas l'arrêter. C'est un joyeux luron. Marion, mais oui, c'est une blague. Il n'est pas ressorti avec Julie, c'est pour rigoler, mais tout non, ça. Je t'aime, mon cœur. Bande d'enfoirés. Putain, le mec il passe de. Attends, vas-y, ta gueule, putain. Il faut pas rire avec des choses comme ça. Non, bah oui, il faut pas rire avec des choses comme ça, bah évidemment. Enfin, il est fou amoureux de toi. Fou amoureux. Évidemment. Je t'aime, mon amour. Et c'est Julie qui te le dit. Hein. Et voilà. C'est moi qui te le dis. Ouais. Et regrette pas la petite, évidemment. Évidemment qu'il la regrette pas. Ni tes kilos. T'as 10.